Salut tout le monde, ici Thomas Dano pour Thomas Consomme. Aujourd'hui, je vous présente un produit que je consomme déjà depuis quelques mois qui s'appelle Whole Food. Là, si vous comprenez en anglais, Whole comme dans complet, donc eux c'est Whole, H-O-L, Food, Complete Nutrition. C'est quoi la promesse? Moi, je vais voir si c'est en français maintenant. Chaque repas contient 35 g de protéines de whey, des fibres, des oméga 3, 6, puis 25 vitamines et minéraux. Puis vous allez voir sur le site, ou sinon vous pouvez voir rapidement. Oh! Êtes-vous capable d'aller? Non. Dans le fond, ça dit tout ce qu'il y a dedans. Là, c'est plein d'affaires, dont vitamines de plein de sortes. C'est qu'est-ce qui est intéressant de ça, pourquoi je voulais en parler? C'est pas juste de la protéine. Parce que dans le fond, moi j'ai une phase dans ma vie que je voulais tester différents types de façons d'optimiser mes repas. Puis je me suis vite rendu compte que ça passait par la poudre de protéines. Par contre, la poudre de protéines, souvent, ils mettent juste l'emphase sur la protéine qu'il y a dedans. Puis comme je ne m'entraîne pas, comme vous pouvez peut-être le voir, pour moi, c'est pas tant utile, juste la protéine. Je n'ai pas besoin tant que ça de protéines. Oui, ça vient combler un peu mon corps, mais c'est pas juste ça qu'il me faut. Il me faut plus que ça, comme des fruits, des légumes, tout ça, des vitamines, etc. Donc, je me suis plus tourné vers des solutions qui étaient des substituts de repas. On passe à Whole Food, on passe à Solon que j'ai essayé, que peut-être que je vais vous montrer un jour. Mon Whole Food, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que pour le prix non plus, c'est pas cher. Comme ça, c'est 100$ environ. Ce que ça dit, c'est que là-dedans, il y a 30 repas complets. Donc 100$, 30 repas, faites le calcul, 3$ par repas. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils disent, c'est 2 scoops par repas. Moi, j'en prends juste une. Donc, puis ça me suffit pour le déjeuner, admettons. Donc ça équivaut à 1,5$ du déjeuner, ce qui est pour moi pas super. Mais qu'est-ce que j'aime surtout de Whole Food, contrairement à beaucoup de la compétition, c'est qu'il coûte bon. Comme quand je le mets dans mon shaker. Ça coûte bon. Parce que bien sûr, pour essayer de diminuer un peu les calories, je mets de l'eau. Je pourrais mettre du lait ou même rajouter autre chose pour essayer de donner plus de goût, mais en toute transparence, comme on va dire, c'est mon genre de repas, pour essayer de couper les calories, mais je mets juste de l'eau. Puis ça goûte très bon, contrairement à beaucoup d'autres que j'essaie. Donc, je vous le recommande. Ça, c'est le chocolat. Of course, ils ont vanille. Puis, ils ont même des trucs, des boosters qui appellent pour donner d'autres saveurs que j'ai pas encore essayé, qui va sûrement. Je vais en acheter sûrement bientôt. Voilà. Sur ce, bonne journée. Et je recommande. Ciao.